Bienvenue sur Buzz People, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de Stéphane Plaza et de Karine Lemarchand. Ce n'est plus un secret, Karine Lemarchand et l'agent immobilier de 51 ans sont très complices. En effet, ils s'affichent régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux comme un couple. Pourtant, les animateurs vedettes de M6 ont toujours affirmé qu'ils étaient juste amis. Seulement voilà. Stéphane Plaza aurait peut-être dérogé à la règle. Il s'est laissé aller à quelques confidences sur un éventuel mariage avec la jolie quinquagénaire. Et oui, vous avez bien entendu, un mariage. Fin 2020, l'animateur préféré des Français s'était retrouvé dans de beaux draps et pour cause, il avait fait des travaux dans son appartement. Ainsi, il n'était pas en mesure d'en louer un autre. Autrement dit, l'agent immobilier était sans logement. Longue date était venu à la rescousse. Et cette amie de longue date n'est autre que Karine Lemarchand. Elle lui a en effet proposé d'habiter chez elle le temps des rénovations. En colocation, les deux collègues de la 6ème chaîne s'étaient découverts quelques défauts au fil des semaines. Connu pour son sens de l'humour, Stéphane Plaza avait confié dans Culture Média « Je lui ai beaucoup changé sa vie parce qu'il paraît que je parle fort et qu'on n'a pas les mêmes horaires ». Élu animateur préféré des Français pour la deuxième fois, l'agent immobilier a répondu à quelques questions. Il a ainsi expliqué, non sans humour, que sa ressemblance avec George Clooney et ses répliques dans les grosses têtes sur RTL l'avaient permis de réaliser cet exploit. Sur un ton plus sérieux, Stéphane a parlé de sincérité, de bienveillance et de détachement dont il a fait preuve. Dans la foulée, son interlocuteur a demandé « Quels conseils donneriez-vous à votre amie Karine Lemarchand pour vous battre ?» Ce à quoi elle a répondu « Il faut qu'elle arrête de bouffer des graines, de boire du jus de pomme pétillant et qu'elle m'épouse. » Voilà, c'est dit. Reste à découvrir si la principale intéressée va accepter sa demande.